Your suffering will be legendary, even in hell. Merci Pined. Troisième partie. Bonsoir à tous. Troisième partie de ce fabuleux Resident Evil 7. On va tout de suite se mettre aux affaires. Nous en étions ici. Alors, dans nos objectifs, obtenir les trois têtes de chien pour ouvrir la porte. On en a déjà eu deux. Et on s'est rendu compte que le padré, je ne me rappelle plus de son prénom, mais ça va me revenir. Le padré nous en a subtilisé une. Donc il va falloir qu'on aille se fighter, je pense, pour la récupérer. Et on a toujours dans nos objectifs, on peut le voir en haut à gauche, obtenir le fusil. Ce qu'il y a, c'est que là, j'ai vu que j'avais un petit crochet. Donc dès le début de partie, on va crocheter la petite serrure ici. Qu'as-tu donc dans ton panier, petit tiroir? Des munitions de pistolet, c'est très bien, ça va nous servir. Ok, donc on va se rendre. On va redescendre en fait. On va redescendre. Tiens, j'ai mon petit fond qui merde. Voilà, c'est bon. Heureusement que j'ai vérifié. On allait faire une VOD avec le fond vert qui merdouille. Ça m'aura agacé. Donc on retourne. Je crois que là, je l'avais ouvert. Ah bah tiens, une petite plante verte. Elle avait dû m'échapper. Et le produit chimique, bah très très bien. Bon, on va aller voir le padré. Je jette un petit coup d'œil sur la carte. On est ici, on doit aller à l'atelier, bah, c'est tout droit. Qu'est-ce qu'on a pour se battre? On a de l'herbe. Bon, on a pas encore le fusil à pompe, évidemment. On a une clé scorpion. Et on a des munitions, ok. Hein, c'est verrouillé de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc on doit pas aller à l'atelier, on doit aller à la salle d'incinération. Non, on l'a déjà fait ça. Par où on était passé pour rejoindre notre ami le workshop? Là, c'est close. Je crois qu'on était passé par là. On avait fui plusieurs ennemis. C'est ça. On va tracer. J'ai aucune confiance ici. Oh, de temps en temps, il y a une petite ramouille. Oh, ça va, on a l'habitude. Ça va, ça va. Je me suis autorisé à rajouter un petit peu d'ombre. J'ai optimisé un petit peu les ombres. Enfin, j'ai mis une meilleure qualité. Ça va être un peu plus sympa parce que j'ai remarqué. Tiens, il y a une save. Ça veut dire qu'on repopera là si on meurt. C'est un cartouche de fusil, mais on l'a pas. Oui, j'ai rajouté un peu pour les ombres. Là, c'est quand même un peu nettement mieux. Hein. Et pixelisé drôlement. J'ai baissé un truc pour en augmenter un. Hein. Allez, c'est parti. Bon, le padré est là. Ah, 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 il y a quelque chose. Produit chimique, décidément. Produits chimiques qu'on mélange hein, pour avoir pour faire des cartouches améliorées ou alors des fusils à pompe. Bon bah le flic là, mon pauvre ami. Le pauvre. Le voilà. Bon ils sont pas à leur coup d'essai hein. Ok, donc on peut mettre des coups de botte là-dessus. Ah, elle est là, elle est là. Elle est là, mais avant je regarde un petit peu autour de moi. Si on ne peut pas choper quelque chose. Ah bah par exemple la poudre à canon, c'est très bien. On va pouvoir se refaire des munitions.
Oui, je veux avec. Ça fait des munitions de pistolet. On a déjà 22, mais on va en refaire. Hein. Voilà. Ça nous fait de la place dans le stock. C'est parfait. Et là, évidemment, il faudra une clé serpent. Voilà, c'est parti. Salut Samus Aran. Oh, t'arrives au très bon moment. Allez, le vieux qui met un petit coup de botte. Tu ne peux pas t'échapper. Ça commence bien. On va essayer de l'esquiver un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a ici? On peut pas la prendre. Merde, il est pas là, évidemment. Oh, putain, je suis... Ça commence mal. Ah, il m'a eu. Non, non, je suis pas mort. Bien. Voilà. Salut Léa. Excuse-moi, j'étais... Enfin, tu l'auras bien compris. Je suis un peu pris dans le combat là. Oh putain, mais non! Tu vas mourir ici! Oh putain, c'est pas vrai! Ah là 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 là! Je voulais le faire du premier coup. Vous avez vu, j'ai mis le petit chat juste au-dessus de ma tête. Comme ça, vous veillez sur moi. Bon, il nous a remis ici. On remonte. J'ai merdé. J'ai merdouillé. Donc il faut qu'on reprenne les choses. Ouais. On va se dépêcher. Le pauvre. Le pauvre. On va faire ça mieux là. J'aurais dû me soigner, mais c'est... Voilà, j'ai... Toujours tête en l'air, toujours envie de faire trop vite. Allez, on combine. Ça nous fait de la petite munition. Parfait. Allez, on recommence. On recommence le fight. Puis il est pas bien dur, hein. Mon Dieu. Salut Bad Boy Gamerang. T'arrives pile à point nommé pour le fight. Tu ne peux pas t'échapper. Putain. Allez, mais... Oh,
Putain, j'essaye de lui mettre des coups de... Allez, viens là. Qu'est-ce qu'il est parti faire là? J'essaie de faire au mieux. Alors j'imagine qu'il y a moyen de faire mieux, mais... Excusez-moi, hein, je suis un peu pris là. Je me suis surpris un peu de vie. Non, je joue mal. J'utilise pas la garde, je suis un peu idiot. Ça fait un peu combat d'handicapé. Allez! Ça suffit! Je comprends pas le RB en fait. Allez, cours! Excusez-moi, je prends un peu mon temps, mais je me remets ma vie. Je sais que c'est un combat en VR qui m'avait vraiment fait chier. Merde, j'arrive pas à le faire démarrer le moteur. Tu vas mourir. J'ai plus de vie. C'est bon, je pense. Mon Dieu. Tu vas crever ici. Voilà. Ah ben dis donc. Ça vous plaît? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Bon, ça serait bien qu'on puisse la garder, cette petite tronçonneuse. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon bah c'est bon hein. Mais on a ramassé la pièce. Oui on l'a, elle est là. Examiner.
Voilà, on a la troisième petite tête de chien, très bien. Allez. Sois sympa. Évite de ressusciter. Allez, on s'en va. On s'échappe. Bonsoir à tous. Hein. Bon, j'ai eu peur de mourir une deuxième fois. Ça m'aurait agacé. Là. Bon, bon, mentir. Ok, donc on se retrouve de l'autre côté. Faudrait qu'on se soigne. Allez. On est mal en point. Hein. Bon, il nous reste des munitions de flingues. C'est le mieux. Enfin, c'est le mieux. C'est une bonne nouvelle, pardon. Bon, on va tracer ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a entendu ? Bon, je me rappelle hein, du chemin. Voilà, putain. Là, c'était où ? On aurait pu aller plus haut, plus court, je pense. Mais bon. Ah ? Vous entendez ? Hein ? Eh ? Alors, madame ? Si ça vous gêne pas, on va continuer à inspecter un petit peu votre maison. Hein ? C'est bien. Putain, il se retrouve dans le couloir. Ok. Ça, je l'avais déjà ouvert, hein, je pense, oui, évidemment. On va se prendre un peu de... Ça, on l'avait lu, hein. Oui, on l'a lu. On l'a lu. Je vais me reprendre... On a du fluide. Je vais me reprendre de l'herbe, hein. De l'herbe. Je sais que... Bah, j'ai deux remèdes de soins. Allez, on les prend. On va en utiliser un. À mon avis, on l'a utilisé un petit peu pour pas grand chose parce que on s'était pas fait toucher énormément là. J'aurais pu utiliser une herbe, c'est ça que je veux dire. Allez, on continue. On va aller poser la. Putain, mais elle est flippante elle dans le couloir. Hein. Ouais. Bon, allez. On va aller poser la tête de chien sur la porte. Ah, mais on a une clé scorpion. Oh, on l'avait déjà ouvert. Ok, donc si on n'est pas trop bête, c'est sur la droite. Voilà, c'est ici. Allez. Et c'est ouvert. Ah, le jeu rame un peu. Ça va. Ah, il charge un peu ce qu'il y a derrière. Ok. Et là, on se retrouve donc à l'extérieur dans le jardin. C'est magnifique. Voilà, j'aurais utilisé une petite herbe comme ça. Pas plus. On a de la poudre à canon, on va pouvoir mixer. Ça nous refait des balles. Une espèce de mobilhome là, enfin de... Oui c'est ça. Non pas de mobilhome, de... Ah si. Alors ça, je peux vous assurer que quand j'y joue en VR, qu'on se retrouve à l'extérieur, ça faisait bizarre. Hein. Je vais encore le redire, mais l'expérience en VR est vraiment fantastique hein, sur ce jeu. Ok. Donc là, ça va être notre notre hub. On pourra mettre des cassettes vidéo ici. Ah oui, je me souviens. Là, on récupère une pièce antique. Et si, en fait, ici, là... 44 magnum, beaucoup de recul, peu de puissance. Et ça coûte 9 pièces antiques.
On en a d'autres, mais elles sont dans notre coffre. Je crois qu'on en a 4 ou 5. Là encore une photo, mais c'est une photo qu'on a déjà vue, elle était accrochée, hein. C'est la famille Baker. Avec Marguerite, sa femme, et les deux gosses. Lucas et... Et on ne sait pas. Mon corps est de plus en plus bizarre, je serai bientôt comme papa et maman. Tout est de sa faute. Est-ce que je dois m'enfuir? Non, impossible. Si elle s'en rend compte, elle me tuera. Cette femme qui l'accompagnait, Mia, elle sait quelque chose. Si j'avais le sérum, je pourrais me soigner. Il faut que j'en sache plus. Alors je ne sais pas où on est, dans la caravane de qui. Qu'est-ce qu'il y a au menu? D'accord. Ah là, là c'est pareil, on peut, avec des pièces antiques on peut acheter des trucs. Qu'est-ce que c'est ça? Stabilisateur, augmente votre vitesse de rechargement. On n'a pas le temps de lire. De façon permanente. C'est pas mal, hein. Augmente votre vigue maximum de façon permanente. C'est que 3. J'ai bien envie de l'acheter, hein. Ou alors on économise. Là c'est un soutif là. C'est peut-être à Zoé. Ah, c'est le mobilhome de Zoé, elle habite ici, elle. Bah, c'est la fille des Baker, quoi. On a un pistolet cassé. Ça sert à quoi, le pistolet cassé? Je regarde. Je l'inspecte. On peut rien en faire, hein. Gardez pour l'instant. Là, on peut faire une save. Je vais faire une save juste après avant de partir. Normalement, on doit avoir accès... Bah voilà, le coffre est là. Je vais prendre toutes mes pièces antiques. J'ai envie de savoir combien j'en ai. Pour voir ce qu'on peut s'acheter. On en a 5. Donc, avec 5 pièces antiques, qu'est-ce qu'on peut acheter? On peut soit acheter le... On aura plus de vie. Ou alors, on recharge plus vite. Et sinon, si on économise à 9... Ah putain, on a le magnum, quoi. Moi je suis bien tenté de... On va être économe. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On va être économe. Économe. On va garder nos pièces antiques. Le jeu pas si dur. Le jeu pas dur. La clé scorpion, on va la garder. On va se garder une herbe. Puis on fait une petite save. Puis on va continuer. Je viens seulement de voir, mais tu as un t-shirt de qualité ce soir. Oui. Bah, c'est un sweatshirt. C'est moi qui l'ai fait moi-même. Hop. Suspiria, Dario Argento. C'est un sweatshirt à capuche. Je me le suis fait faire. Sur Photoshop. Mais merci. Je suis ravi qu'il te plaise. C'est moi, il me plaît beaucoup. Ok, donc on a fait la save. On va sortir du mobilhome. Hein. J'étais resté un an dans le mobilhome. Ah! Décidément, je suis encore très demandé là. T'as réussi. J'avais jamais vu quelqu'un arriver aussi loin. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça va m'aider à sortir d'ici? Oui. Écoute-moi attentivement, Ethan. Ma famille et moi, nos corps sont contaminés. Je ne peux pas quitter la résidence tant que je suis infecté. Et c'est pareil pour Mia. Est-ce qu'il y a un antidote? Il nous faut le sérum. Ça devrait éliminer ce truc qu'on a dans le corps. Du moins, tant qu'il n'est pas trop tard. D'accord. Où est-il? Si je le savais, je serais déjà parti d'ici. Mais je crois que ma mère l'a caché quelque part, dans la vieille maison. Donc si on le trouve, je pourrais aider Mia et on pourra sortir. Oui. Et moi aussi. La vieille maison est au bord de l'eau. Tu ne peux pas la rater. Ok. J'espère que tu pourras échapper à ma mère. Ta mère? Sois prudent. Ils vont être après toi. Oui, c'est moi qui l'ai fait. C'est... Pourquoi j'y ai pas pensé d'ailleurs? Mon dieu, ce t-shirt-là, c'est moi qui l'ai fait. Ça vous plaît? Oh. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Alors, nom de dieu. Donc, si j'ai bien compris... Mia et ainsi que Zoé ne peuvent pas s'échapper car elles sont contaminées. Il faut qu'on trouve un sérum. Et il se trouve dans une vieille maison. Et elle nous a dit attention à ma mère. Bon bah Marguerite du coup. Hein.
Mais c'est pas Marguerite Duras, hein, je vous préviens. Hein, pour ceux qui avaient des petits espoirs à ce niveau-là, remballez tout. Hein. C'est pas Marguerite Duras. C'est Marguerite Baker. Et c'est pas du tout le même... c'est pas du tout la même personne. Là, qu'est-ce qu'il faut... Là, il faudra mettre quelque chose pour pouvoir rentrer. Hein. Ah, salut Nictaras. Nictaras, toujours en retard. Combien aujourd'hui? Une demi-heure. Allez. Petite demi-heure dans le cul. Non, salut Nictaras. Allez. Bonsoir, t'as de vieux chiffons. Tiens, nous voilà à gauche, les châteux. Oui, parce que comme ça, quand je mets les objectifs et l'inventaire, vous voyez comme je suis malin? Vous pouvez voir les objectifs et l'inventaire. Ça s'appelle de la malignité. C'est quand on est malin. Mais j'ai toujours pas le shotgun, hein. Alors, est-ce que c'est une bonne chose de s'aventurer sans avoir le shotgun? Je suis pas certain, hein. On reviendra peut-être sur nos pas. Malin, malin, demi-habile. Oui, alors là, j'aime beaucoup ce passage. En VR, pareil, ça avec les bébés, là. C'était parfait. Bon, on va prendre le coutelas. Pour la... Bon, il nous refile des munitions. C'est parfait. Là, on fait attention de ne pas tomber. On reprend le flingue. Oh, il y a de l'insecte, là, non? Allez. Oula, oula, hé. Doucement. Je vais peut-être reprendre le couteau. Voilà. Ça va être plus économe. On va être plus économe. Une demi-heure d'attente, c'est bien peu, croyez-moi. Demain, ça sera une heure. Et encore, si ça se trouve, je viendrai pas. C'est vrai. C'est vrai. Donc, faut pas que je me plaigne. 8 février 1802. Ah oui, alors, c'était avant l'inondation, hein. Vous vous souvenez du petit papier qu'on avait lu? Il y avait eu une inondation et du coup, il y a eu des dégâts. On dirait un plan pour fabriquer une sorte de lance-flamme. Moi aussi, dans ma maison, il y a plein de plans comme ça. Là, à côté du landau de mon fils, il y a un plan pour un bazooka. Bon, là, vous avez vu ça là, la ruche là? On va pas y aller tout de suite, hein. Je vous le dis tout de suite, on va pas y aller tout de suite. Ah bah oui, j'étais obligé de nommer Léa modératrice. Hein, puisqu'il est toujours en retard. Ah tu vois, il y a un peu de la menace maintenant. Vous vous souvenez là? C'est là où on avait eu le flashback avec Mia dans la cassette vidéo. Donc on sait où elle lance flamme. Hein. Enfin, où il était à l'époque. Putain, là aussi il y a un... Elle est en haut, n'y va pas. D'accord. Non, 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 on va y aller, mais... Je regarde un petit peu. On a pas le plan de la maison, hein. Non, on a que ce qu'on découvre. Je suis tenté de passer quand même, là. Oh merde, il m'attaque direct. Oh là, hé, hey, les enfants. On se connaît à peine, là, les moustiques. Ils vont pas me suivre. Putain, je prends mon couteau. Merde, non, mon couteau, j'ai dit. Saloperie. Allez, dis donc, tu te moques de ma communauté? Tu dis qu'il n'y a pas assez de monde? Oh, ça sent le... combustible solide. Très bien. Ça sent le Nictaras qui va... comme dans Rule of Rose, qui va perdre sa place, hein. On peut les niquer là au couteau, ça? Bon bah c'était peut-être pas une bonne idée. Je vais mourir, non? Il en reste très peu. Voilà. On peut se faire chier. Fluide chimique fort. Ah putain, mais maintenant je suis plein. Pistolet cassé. Il est cassé, mais peut-être qu'un kit de réparation pourra le remettre en état. On aurait dû le mettre. Bah déjà, je vais prendre ça. Voilà. On aurait dû le mettre dans le...
Ah, c'est fermé. On aurait dû le mettre dans notre inventaire, enfin dans notre caisse. Ah, ok. Eh oh, Vilente! Je l'ai pas tué! Saloperie! Voilà! Ça, c'est quoi? Putain, c'est de la poudre! On en a besoin! Alors, je livre aux saloperies. Ah, le Koh-Lanta qui chasse les moussets avec son Beretta. Ah oh! Pour le coup, et au risque de froisser les véganes parmi vous, j'aurais bien fait une fricassée d'insectes avec un lance-flamme là. Mais le lance-flamme va nous servir à faire de la fricassée. Hein. On va courir. Bon, là par contre, je vais utiliser une balle. Hein. Je suis désolé. Parce qu'ils sont un peu chiants quand même. Allez, il faut qu'on trouve le sérum. On a trouvé l'injecteur. Qu'est-ce qu'il nous dit dans nos trucs ? Chercher le sérum dans la vieille maison, obtenir le fusil. On doit toujours obtenir ce fusil, hein, mon dieu. Putain, je peux pas prendre l'herbe. Pourtant, ça nous aurait été bien utile. Ça on s'en sert jamais, hein, ces trucs-là. Vous voyez ? Ça nous permet de voir les objets. Ils sont en surbrillance. On s'en sert jamais de ça. Qu'est-ce qu'on peut jeter ? Bon, l'injecteur, on le garde, évidemment. On dirait que ça pourrait être combiné à autre chose. C'est pour faire le lance-flamme. Et on a du combustible solide, matière solide inflammable qui brûle intensément une fois allumée, inutilisable tel quel. On va le garder. On va le garder. Il y a quelque chose là-bas. Bah du coup, oui, ça nous a permis de voir... On a bien fait de l'utiliser. Ça me permet de voir au loin qu'il y avait quelque chose à prendre là. Encore de la saloperie. Allez, ouvre-toi, petite caisse. Bougez pas, le vieux Romain va prendre son petit bout de chocolat du soir. Ah putain, un crochet, on en aurait bien besoin. On loupe plein de trucs. Oh putain, hein, saloperie. Je suis arrivé par où? Plan de la vieille maison, ça c'est parfait. Le couteau, le couteau. Allez, viens là, toi. Et ça, c'est pas du moustique, hein, de PD, hein, putain. Si je peux me permettre. Ah, vous vous souvenez, avec Mia, on l'a fait, ça. Le truc d'ombre. Et voilà. Vous n'avez pas assez de place dans l'inventaire, mais mon dieu. Ah. Mission pistolet. On a pu en prendre quelques-unes. Ça reste assez longtemps, hein, en fait. C'est assez utile, hein, cet objet-là. Comment ça s'appelle? Je vous dis ça, le psychostimulant. Hein. Ça permet de voir au loin, vraiment, tout ce qu'on peut ramasser. Traiter un moustique de PD, c'est soit spéciste, soit anti-homo. Moi, je connais beaucoup d'homosexuels qui s'insultent de PD. Je ne pense pas qu'ils soient... Je ne pense pas qu'ils soient homophobes. Alors, ah, bah voilà. Vous pouvez transporter plus d'objets. Ah bah merci. Très bien. Bon, le flingue, on le met là. Le combu... qu'est-ce qu'on peut mettre? La clé scorpion, comme ça. Là, on a plein de place, là. On fait une petite save. La petite save du pauvre. Vous savez, celle où quand on a peur de mourir. Là, du coup, on peut utiliser une petite herbe. On va aller ramasser ce qu'on n'a pas pu ramasser. Ah, on va pouvoir le fabriquer, là, ce putain de brûleur. Alors, on combine ça avec ça. Et bah, c'est bon, là. Allez, hop, c'est une affaire qui roule. Mon Dieu. On a le lance-flamme, maintenant. On va pouvoir s'attaquer au nid. J'avais rien oublié d'autre. Je suis tellement tête en l'air. Je crois pas, hein.
Je me prendrais bien une petite herbe. Excusez-moi. Toute petite herbe pour la route. Un petit joint pour la route. Je vous l'ai dit dans la dernière VOD, hein. Là, vu la situation, vu que c'est très hostile ici, allez, tout ce qui est alcool, même pour les alcooliques, ça compte pas, c'est pour du beurre. Là, faut être un peu, on va être un peu plus laxiste là. Allez, je me prends une petite herbe, très bien. Ça compte pas. Si vous êtes alcoolique, vous pouvez prendre boire un petit coup. Bon, ça c'est pour fermer. Je vais laisser ouvert parce que sinon après je me souviens plus. On n'est pas dans piège de cristal, mais... Vous savez quoi? J'ai envie de refaire le coup du... De ça là. C'était bien utile. Ah ouais, c'était bien utile si j'étais pas con. Malheureusement. Mais merde, prends lance-flamme. Voilà. Alors. Il y en a encore. On va crever. Bah, je me soigne. C'est infernal. C'est comme ça qu'il faut faire. Des petits coups. Ah ben voilà. Non mais c'est infernal. Ah parce qu'il y en a un autre. On est mal en point, on a plus de gaz. On est mal en point. On se reprend un peu d'herbe. Là j'ai l'impression. Là j'ai très mal joué. Hein. J'espère que ça vous plaît. Hein. Oh putain, mais il est même pas mort celui-ci. On n'a pas de crochet? Tout à l'heure on avait un crochet. Hein. Nom de Dieu. Je vais prendre. Ça on peut. Non, on peut pas. Ah bah voilà, on s'est refait du combustible. On va le recharger. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas croisé des membres de la famille de Léa. J'aurais dû peut-être le combiner avec l'autre. Bon bref. Là on peut passer hein. On n'est pas fou. Bonsoir. Ethan ? Ah ? On a retrouvé Ethan. Ah, ma gonzesse. Maintenant ça suffit, Mia. Je veux des réponses. Je sais, tu as raison. Et j'ai toujours voulu t'en parler. Mais je ne me souviens que d'une partie. Le reste s'est envolé. Attention derrière toi. Ah, c'est ça. Ça dérange. J'embrasse maman juste une minute. C'est Lucas. Pas planté là! Fais quelque chose! Ethan, au secours! Bon, ça commence bien. À chaque fois qu'on voit notre gonzesse, il y a un problème. Hein. Moi, je serais d'avis qu'on parte. Hein. Bon, on a récupéré la pièce qui va nous permettre de faire l'énigme de l'ombre chinoise. Eh oh, tu crois que je t'avais pas vu, toi? Tu crois que je t'avais pas vu? Voilà. Ça sert à rien, mais moi, j'aime bien. Bah ouvre. Fiche le camp d'ici. Ah oui d'accord. Mais oh lolo, madame. C'est ça qu'il fallait faire hein.
Elle est où? Ah, l'angoisse. C'en est un, ça, un nid? Je pense pas, hein, parce que là, c'est pas où on est arrivé. Ce que je veux faire, c'est retourner. J'ai loupé plein d'objets, dont une petite herbe verte. C'est bon là? Putain, on va mourir. Puis j'ai plus de... C'est chaud chaud. Hein. Par où on peut... Alors, il faut qu'on retourne, vous savez. C'était la galerie. Bah c'est juste... Si je cours, normalement c'est bon. Hein. On a rien pour se soigner, putain. Si je cours, c'est bon. Allez. Allez, c'est bon, on y croit, on y croit. Oh putain, elle est là. Vous savez quoi, on fait une petite save. Et on se remet un peu de vie. Putain, oui, oui, alors elle est horrible. Pardon, enfin, elle est horrible, bien sûr qu'elle est horrible. Mais elle me fait peur. J'ai une trousse de premiers soins. Finalement, j'ai ouvert les boîtes qui nous filaient. Hein. J'ai une trousse de premiers soins et puis c'est tout. Hein. On va l'utiliser tout de suite. Voilà, déjà là, on sent mieux. On fait petite save. La petite save du pauvre. Hein. Les gens nous jugent après. Parce qu'on joue mal. C'est pas grave. On est là pour s'amuser. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a, on va pouvoir faire l'énigme de l'ombre. Te voilà. Ah. Quoi, me voilà? Pas du tout, madame. Allez, l'énigme de l'ombre. Alors, bah c'est la même. Hein. C'est la même qu'hier. D'ailleurs, hier, en revoyant la VOD, j'étais fier de moi. Comme là, je vais l'être. Voilà. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est là? Bon, on se casse. De toute façon, nous, on se casse. De toute façon, on reste pas. On est pas fou. Merde, 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 merde. Oh là là là. Oh, allez, c'est un mauvais moment à passer, Ethan. En fait... Oui. On est exactement en train de refaire ce qu'on a fait avec dans le flashback avec Mia. Et on s'était fait choper, je sais plus où. Qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire? On a toujours pas le shotgun, hein, ça vraiment, il va falloir remédier. Hein, je pense que c'était quelque chose à choper. Là, il y a une petite porte Korbach. Je regarde mon plan avant d'aller voir, avant de la checker. Je veux savoir si au moment où je la check, il me la, voilà. Après, il m'indique sur mon plan que c'est une porte Korbach. Qu'est-ce qui est écrit? Zoé, tu as encore essayé de t'introduire à l'étage, n'est-ce pas? Tu pensais que je ne le verrais pas? Même après tout ce qui est arrivé à Evelyn, tu continues de parler de ce foutu remède? Et qu'est-ce que tu comptes faire avec mon hôtel? Tu ferais mieux de pas mettre tes sales pattes dessus, personne ne touche à mon hôtel sacré. Tu nous prends pour des imbéciles, ton père et moi? Tu n'es qu'une seule petite ingrate, je regrette de t'avoir mise au monde. Toi qui es une moins que rien, comment oses-tu nous mépriser et essayer de quitter notre maison après tout ce qu'on a fait pour toi? Ingrate, 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 ingrate. Si jamais tu t'avisages de toucher à mon hôtel, je te promets que je te découperai la poitrine et que j'en ferai un rôti. Un rôti. Moi je l'ai plus ce qui marque Nick Taras. Je vous invite à faire de même. Là on a une petite manivelle. Il va falloir maniveler.
Moi, je vous invite à plus lire du tout ce qu'écrit Nick Taras. Hein. Donc là, c'est par où on est arrivé. Hein. Voilà. Je regarde si j'ai rien loupé. Hein. Bah voilà, par exemple. Du combustible, une herbe. Bah ouais, voilà, par exemple. Le combustible. Je vais le mettre avec ça. Et ça nous fait des grenades incendiaires. Munitions pour le lance-grenade. Ah oui, mais on l'a pas le lance-grenade, hein, madame. Donc pour l'instant, on va s'en tenir là. Hein. Et là, qu'est-ce qu'il y a ici? Du fluide chimique. Bon, on en avait déjà. Hein. Putain, on en a plein maintenant. Bon, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal, sauf qu'on sait pas où aller. Ah si. C'est là où on s'était fait avoir avec Mia. Et que sa mère, enfin Marguerite, nous avait chopé par derrière. Oh mon dieu. On va yellow coot là. On va la faire un peu à la Rambo là. Elle bébé LED. Ah bah là voilà la manivelle. Très bien. Heureusement qu'il m'a pas dit que mon inventaire était plein. Là, ça m'aurait fait... Ça m'aurait peiné. Petit moustique. Ils liront tout. Eh hey, oh, tu crois que je t'ai pas vu, toi? Et voilà. Je me permets, j'ai un petit peu de balles. Hein. C'est pas... C'est un luxe que je peux m'offrir. Voilà. Allez, allez où cette petite manivelle. C'est parti. Et ben voilà. Très bien. Ça, on peut revenir. Alors, je sais pas pourquoi on a fait ça. On a le lance-flamme, ok. C'est quoi notre objectif? Ah oui, bah oui, il faut qu'on ait la clé Korbach, en fait. Parce que... elle se trouve là-bas. Elle se trouve précisément ici. Il nous faut la clé Korbach. Moi, je suis d'avis, vu que dans mon inventaire, j'ai... différents mécanismes. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, là, dans la maison? On va regarder ça. La salle à manger, il y a quelque chose. Je vois qu'il y a, il y a quelque chose. Mais on n'a plus de... Ouais, la salle Korbach est là. Il y a quelque chose à ramasser dans... Parce que je sais, moi je sais que j'ai encore une clé scorpion. Il me reste une petite clé scorpion. Là, on est passé par là. Hein. Oui, oui. Oui, voilà. Est-ce que ça va se... Putain, elle est là, elle. Vous avez vu, elle est là. Hein. Mon dieu. On va attendre qu'elle se barre et puis on va voir si avec 6 ça suffit pour... Ça va pas suffire, je vais me faire toucher. Ça va pas suffire à tuer le nid. Quoi? Ouais, ça a fait que dalle. Allez. Merde, là on peut pas. Putain de merde. Très mauvaise option. Ah si, là il y a une manivelle. On peut maniveler. On va mourir, on va mourir, on va mourir. Putain. Déjà si je prenais mon flingue ou mon couteau, ça serait peut-être plus sympathique. À chaque fois ils vont nous remettre des moustiques. Hein. J'ai de la poudre à canon, donc je pense que je peux refaire du... Ah putain, mais elle est là, mais c'est sans fin. Je vais me cacher là et je vais refaire du combustible. Putain. Voilà, c'est bon. On va y arriver, on va y arriver. Là, je refais du... J'ai de la poudre à canon.
Si je le mélange avec ça, Fuchimic Fort peut-être. Ça me fait des munitions de pistolet, mais j'en ai pas besoin. Non, moi je veux, voilà, je veux combiner ça, le combustible solide, avec ça. Ça fait des grenades incendiaires. Voilà, là ça fait du combustible. Et voilà. Les gens se plaignent alors que ça avance à une vitesse folle. Cramé mitron blond. Oui, mais pas tout de suite. Pour l'instant, je préfère l'esquiver un petit coup. On peut se mettre un petit peu de vie. Putain. Allez, coquin, viens là. C'est entre toi et moi, là, le moustique plutôt. Bon, vous êtes prêts? On va se faire celui-là. Il est mort, là? Bah, je pense, hein. J'ai tout cramé. Je sais pas si j'y étais à l'économie, là. Là, j'entends la vieille. Allez, dépêche-toi. Allez, 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 allez. Elle est derrière moi? Non. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah bah, très bien. Du soin. Ah bon, bonjour. Oh, c'est très coquet ici. C'est quoi, c'est des toilettes en fait? À la campagne, c'est comme ça, hein. Les gens qui habitent pas à Paris, ils ont ça, hein, je crois, hein. Putain, on a trouvé du combustible. Ça, c'est bien aussi. Je le recharge tout de suite pour gagner de la place. Une petite pièce antique. Ce qui nous... Et là, qu'est-ce qu'on a? La clé corbeau. Bordel de merde. Ça met mon chien en bonheur. Ça se dit pas, mais... On va dire que ça se dit, là, ce soir. Bon, on a la clé corbeau, on va repasser, hein. Il n'y a pas de distance de ton lance-flamme? J'essaye, mais comme... en fait, je l'active un tout petit peu avant parce que les moustiques me foncent dessus. Voilà, tout simplement. Sinon... Là, on peut aller à la station d'eau? Ah bon, nous sommes déjà allés. Attendez, j'y retourne parce que peut-être que j'avais des objets que j'avais pas ramassés. Voilà. Genre l'herbe. Ah, c'est con. Je peux pas... Ah si, poudre à canon. Je vais faire de la place. Munition améliorée. Munition standard pour pistolet. Ou alors munition améliorée. Bon, on va faire des munitions améliorées. Non, on peut pas. Allez hop, on fait des munitions normales. Comme ça, ça nous fait un slot. Et on peut prendre l'herbe. Très bien. Bon, j'ai bien fait de revenir. Bon, maintenant on va essayer de pas être con, hein. Ça va nous changer. On va tracer. On est là. La salle à manger, on va passer directement en face. Allez. Bah, de toute façon, ça craint plus rien. J'ai défoncé le nid. Mais non, il y en a un autre. Que je suis bête. Il y en avait un autre au plafond. Mais on va l'éviter. Et là maintenant, on peut faire la clé corbeau. Oh, j'aurais bien fait une petite save. On est là. Bon, on y va, on y va. On est parti, on est parti. Oh putain! Oh là 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 là! Elle m'a surpris. Je m'y attendais pas. Qu'est-ce qu'elle me veut? Très bien. Elle est le couteau là pour les finir. Partout les seins. Tu vas mourir dans ces trous et tu vas aimer ça. J'essaie de faire de mon mieux.
débarquer et faire ce que tu veux avec ma famille. Je l'ai eu là. Voilà le sérieux. On s'invite dans les lieux où on n'est pas censé. Oh là non, j'ai pas besoin que tu viennes avec moi. Elle est dégueulasse, je me casse. Mon dieu. Qu'est-ce que c'est génial les vieilles. Eh ben dis donc. Elle voulait vraiment pas qu'on aille à son hôtel hein. Elle m'a surpris. Hein. Bon, la clé corbeau. Regardez-moi ça. En VR, c'est fantastique, on les voit... Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas ouvrir, ah, si. En VR, c'est fantastique, on les voit vachement bien. Enfin, tout est en 3D, évidemment. Vraiment, je vais pas arrêter de vous le dire tout le long, mais faut y jouer en VR. Bon, avant de s'aventurer, j'ai envie de regarder le petit téléphone. Il y a Zoé qui va encore me téléphoner pour me donner des petits indices. Non. Elle est occupée. Elle est occupée. Regardez-moi ça, là. Il y a du bébé accroché. Il y a un petit tableau d'une petite fille en robe. Tout le monde aimerait bien avoir ça dans sa salle de bain. Une petite batte de baseball au cas où. Allez, on ouvre. Hein, parce que je sais que c'est ça que vous voulez voir. Target accurate. Ah. Un petit nourrisson qui m'a pas l'air... Il est beaucoup moins en forme que le mien. Hein. Que mon bébé, hein. Je vous le dis tout de suite. À propos du sérum. Il a été caviardé hein, le document. On peut pas tout lire. À propos du sérum, série. Les ingrédients suivants possibles créer sérum. Alors il nous faut un nerf crânien de la série D. Et un nerf périphérique de série D. Ça doit être ça. Ça doit être ça quoi? Ah, on les voit en photo. Si je prends mon flingue et que je zoome, on voit un petit peu mieux. Pour avoir le sérum, il nous faut une main et ça, hein, d'accord? Oh, je pense qu'elle va nous téléphoner, là. Et voilà! C'est qu'à trouver. C'est moi qui l'ai fait! C'est Zoé. Ah, je connais pas du tout. Mais je connais la série V par contre. Bon. Zoé nous a appelé puis finalement a changé d'avis. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on sait tous ce que c'est. C'est pour jeter un petit peu de la malédiction sur les gens, hein. On a rien pour ce... Pour ce healer. 11 octobre. Mes oreilles n'arrêtent pas de siffler et je n'ai pas pu fermer l'œil depuis que cet enfant est là. Comme dit Zoé, il y a quelque chose de bizarre chez cette petite et la femme qui l'accompagne. 15 octobre. Je vois des choses, j'entends des choses, j'ai des nausées en permanence. Je suis allé voir le médecin en ville qui m'a fait faire un scanner. Qu'est-ce qui m'arrive? 23 octobre. La petite m'a donné un cadeau. Octobre. J'ai mis le cadeau à l'étage, dans la salle secrète, tout au fond, là où personne ne le trouvera. Alors ça, c'est pour nous, ça. Son cadeau est dans la salle secrète, tout au fond, là où personne ne le trouvera. Et ben, nous, on va le trouver. Ce bras est un signe de sa confiance. Ce bras nous mènera au bonheur. Bon, j'imagine bien. Et je tuerai de mes mains quiconque se mettra en travers de ce bonheur. Bon, ça veut dire que ça, c'est pour nous. Hein. Quand on récupérera le bras... 1, 2, 3. Quand on récupérera le bras... Il y a des gens qui vont vouloir nous vouloir du mal. Et je crois que c'est Marguerite. Attention, spoiler, je pense que ça va être Marguerite. Alors, qu'est-ce qui m'a écrouté encore comme saloperie, Nictaras? Non, c'était pas Zoé, c'était Free. Très drôle. Il y a quelque chose de bizarre chez le général. Oh là 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 là! En grande forme ce soir. T'as pas fait assez de hiking. T'es pas assez fatigué. Parce que monsieur fait du hiking dans la montagne. Avec les animaux. Hein. Je vous invite tous à aller voir son Instagram. Une petite pièce antique. Ça, c'est bien. Ça arrange nos affaires. On va l'avoir, le Magnum. Hein. Ah, regardez-moi ça.
Il va falloir qu'on mette quelque chose pour que ça soit du lourd. Bon, évidemment, la manivelle, c'est pas ça. Je serais tenté de rien du tout. J'utilise pas mon remède. Hein. Là, on a que de légères blessures. Je regarde la carte. Ah, il y a des chambres. Bah oui, forcément, il y a des choses qu'on n'a pas faites. Écoutez, bon, ce qui est bien, c'est que le jeu, je m'en souviens plus. Hein, je vous le dis. Je m'en souviens plus. Ça m'arrive des fois de regarder des speedruns, mais les mecs vont tellement vite que de toute façon, t'as pas le temps de... Non, ça, on pouvait pas le prendre. J'ai rien omis ici. Vous savez quoi? On va utiliser un des objets pour mettre les trucs en surbrillance. Comme ça, on va vite se rendre compte si on a loupé un truc. Non, non, il nous faut un item que j'ai pas trouvé. Ah! Changer d'avis? Je viens d'en finir avec ta mère et ses satanés insectes. T'aurais pu me prévenir. Je suis désolé. Et pour le sérum? Je l'ai pas trouvé. Mais je sais ce qu'il nous faut pour en faire un. Une tête de série D et un bras. Ça peut pas être ça. Une tête? Je crois que j'ai ça quelque part ici. Vraiment? Mais aucune idée pour le bras. T'as exploré toute la maison? Non, pas encore. Il me reste à fouiller l'étage. Ok. Trouve-le. Et rejoins-moi à la caravane. Alors, je suis désolé pour ta polaire déjà. Monsieur a perdu sa polaire, hein, Nictaras. Ça, c'est chiant quand même. Et Zoé, qui c'est en fait? Eh ben oui, c'est la fille de la famille. Oula, oula. Dis donc, dis donc. On avait dit plus jamais ça. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Pas sûr que ça soit raisonnable. Raisonnable. Vous avez vu ça? Oh là 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 là. Oh la vache. Oui. C'est spécial. Oui, c'est spécial, oui. Moi, je dis c'est curieux. On a chacun ses petits mots. Hein. Ethan, c'est spécial. Moi, c'est curieux. Avec ses bras de 9 mètres. Méfie-toi de ses dents en bois et de sa tête de veau. Je crois que t'allais dire ses jambes en mousse. Ça, en VR, je me souviens, quand elle est en mode long bras et à ramper, j'avais pas envie d'aller dans le couloir. Alors, excusez-moi, ça ramouille un tout petit peu. Oh, ça va. C'est quand on change de zone. On n'a pas réussi à récupérer le bras. Hein. Mais là, on est où, là? Là. C'est la petite porte qui va nous... On est derrière le mobilhome, là. Allez, ouvre, mon coquin. Bah, maintenant, la porte est ouverte. Ah oui, voilà. Ok, donc on peut aller faire une petite save. Moi, je suis d'avis de faire une petite save. Ça ramouille un tout petit peu parce que là, c'est un peu open world. Voilà. Ah, arrêtez de vous plaindre sur le chat. Je sais que ça se plaint encore. Eh, il y en a un qui est caché là. Mon Dieu, je t'avais pas vu, petit coquin. C'est pas un jeu qu'on va faire à 100%. Hein. Et vous avez vu ma tête? Vous croyez que ça va être un jeu qu'on va faire à 100%? Que nini! Moi, je suis David, alors, de faire une petite save. Mais il va nous en manquer combien, là, pour avoir le magnum? Il en faut 9. Combien on en a? Moi, je veux le magnum. Évidemment. Oh, on en a 2, quand même. Allez, combien on en a? Pièce antique, on en a 7. C'est pas mal. On va ranger... Non, pardon. On va ranger, quoi? On a quand même un peu plus de place, maintenant, hein. La clé corbeau, bon, on a une clé corbeau. Ça, c'est la prochaine destination. Hein. Clé corbeau. Et on a une clé scorpion. Je vais la prendre. Clé corbeau, clé scorpion. Voilà, on a 2 pièces qu'on peut aller visiter dans la maison maintenant. Et on fait une petite save.
sève du pauvre. Il nous manque deux pièces antiques et on a le petit magnum. Et peut-être qu'un jour on va finir par avoir le shotgun. Hein. Léa adore pas, elle est dans le noir en train de regarder. Elle nous l'a dit hier. Et qu'elle a peur. En plus le son on l'a mis un petit peu plus fort, alors j'imagine son état. Et regardez-moi ça là. C'est quoi ça? Ça rabouille un petit peu. Ah, ça va! Ça rabouille un petit peu. Un kit de réparation. Et ça serait pas nous qu'avons trouvé un pistolet endommagé? J'ai envie de tirer ça, cette affaire au clair tout de suite. Allez, allez. Hop! Hein, on a trouvé un flingue qui était cassé, hein. Il est où? Flingue cassé. Allez, hop! Hop, je combine avec le kit de réparation. Il est où le kit de réparation? En même temps, ça me fait peur. J'ai peur que le fusil à pompe soit cassé aussi. Attends, qu'est-ce qu'on fait? On le répare ou pas? Allez, on le répare. On a un nouveau flingue. Je l'examine. Il est bien beau. C'est quoi? Pistolet M19. Je vais lire vos saloperies. Un pistolet relativement puissant, bien qu'en mauvais état. Il peut encore servir. Relativement puissant. Un pistolet de puissance moyenne. Bon, on va utiliser celui-ci maintenant. Hein? On a deux flingues. Alors, c'est quoi la discothèque qui clignote derrière ta tiny house? Ah bah parce que t'es en retard. C'est un endroit où on pourra rentrer. Là, ici, hein. C'est un endroit, regardez, c'est très très bien agencé. Hein. On voit bien que c'est quelqu'un qui a beaucoup de goût. Bah tiens, merci de m'avoir dit ça, ça nous a permis de trouver quelque chose. Il va nous falloir deux fusils pour rentrer. Voilà, pour répondre à ta question. Par contre, du coup, on a trouvé quelque chose. Ça, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que c'est? Du supplément. Des comprimés agissant sur le système nerveux, inutilisables tels quels, ils doivent d'abord être transformés en médicaments. Et comment je fais ça? Je fais ça avec ça? Non. Vous savez quoi? On verra ça plus tard. T'aimes ça, toi, les flingues, Romain? Eh bien, évidemment que j'aime ça. Là, c'est le flingue puissant, là. Quand j'étais en école de police et qu'on faisait du tir, qu'on a fait du tir, ça m'avait bien plu. De tirer sur les gens. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. De tirer sur les gens. Tirer sur les choses. Sur les cibles. Tirer sur les gens quand même. Ça se fait pas. Tout le monde sait bien que ça se fait pas. Bon. La clé scorpion là on l'a déjà faite. Moi je serais d'avis de... Bon déjà d'ouvrir l'armoire. Poudre à canon, très bien. Allez hop. On peut combiner ça normalement. J'ai fait quoi? Des munitions améliorées. Alors ce qui est curieux c'est que comment on change de balle? Ah voilà. On fait LT et... Et voilà, là j'ai les munitions améliorées. Donc avec ce flingue là, on aura des... Si on est dans la panade, on prend le flingue avec les munitions améliorées. Je sais plus lequel c'est d'ailleurs. C'est celui-ci parce qu'il a que 10 balles. Putain, entendre un ancien flic qui aime tirer sur des gens... Mais je suis pas un ancien flic, hein, attention. Hein. Je suis un ancien réserviste de la police nationale. Je ne suis pas policier. Hein. J'étais... Certains diront, les mauvaises langues diront que j'étais mercenaire. J'ai travaillé 5 ans pour la préfecture de police, c'est tout. Je suis pas policier. Tut. J'étais... comment on dit? Adjoint... Je sais plus exactement mon titre. Adjoint de police judiciaire, adjoint? Je sais plus. Je sais plus. C'est pas très grave. Ça va pas nous aider pour Resident Evil. Ah, regardez là, il y a la réserve. Je retourne dans le hall principal. Il faut qu'on ouvre les portes. À l'étage, je me souviens. Il y a une porte corbeau ou scorpion. On s'en fout, de toute façon, on a les deux clés. Dans tous les cas, on va pouvoir l'ouvrir. Ah bah non, parce que c'est...
C'est ni corbeau. Ni corbeau, ni agent local d'entretien. Ah, ça vous fait rire. Ça vous fait marrer hein, d'humilier les gens. Hein. L'humiliation, hein, ça vous fait bien rigoler. Non, j'étais... Ça me revient plus. Ça va me revenir quand je vais pas y réfléchir. Donc on redescend. À moins que... Ouais, non. Ouais, non, non. Ah, il y a une clé scorpion par là. Mais oui, ça va nous permettre d'avoir le... Vous vous souvenez du le faux fusil. Le faux fusil qu'on va remplacer par le vrai. Je me souviens maintenant. Moi, pendant 15 ans, j'étais agent préposé à la distribution. Ah bah voilà, bravo. Me moque pas, il n'y a pas de sous-métier. C'est utile en plus, les gens ont besoin. Allez, on utilise la clé scorpion. Et voilà. Donc là, nous n'y sommes jamais allés. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Et voilà, on a le fusil cassé et maintenant on va pouvoir prendre le fusil vrai. Ah, on a un dentier aussi. Ça nous intéresse beaucoup moins, le dentier. Et maintenant, je suis organisateur de randonnée canine. Et bah voilà, c'est très bien. Je suis prends le bon air, c'est un métier utile. T'auras toujours du travail. C'est très bien. J'en ai marre de courir après tous ces abrutis dans le jardin. La prochaine fois que l'un de nos invités tente de se faire la malle, cache les têtes de chiens pour que personne ne puisse sortir de la maison. On n'a qu'à les cacher là. Ah, on va savoir où elles sont. Horloge de grand-mère dans le séjour, on l'a fait. Ah bah, en fait, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire dès le départ. On a déjà trouvé toutes les pièces, toutes les têtes de chiens. Ah mais voilà, mais moi je vais plus vite que la musique. Tiens, je peux pas prendre toutes les balles. J'ai été plus vite que la musique encore une fois. Allez, on prend les balles de shotgun. Y'a rien du tout ici. Mais alors comment on aurait pu ouvrir? Madame Baker, comment vous sentez-vous ces jours-ci? Cela fait un certain temps depuis votre dernier check-up. Ça doit être son médecin. Je vous écris car j'ai terminé l'examen des résultats de votre scanner et de votre frottis. Ces zones sombres dans votre frottis sont des structures frongites qui s'apparentent à de la moisissure. Il se peut que ces excroissances soient à l'origine des hallucinations visuelles et auditives dont vous nous avez fait part. Si vos symptômes sont effectivement dus à un parasite fongique, celui-ci doit être retiré avant qu'il ne soit trop tard. Je ne veux pas vous affoler, mais je suis très inquiet pour votre santé. Je vous invite à vous rendre à l'hôpital dès que vous recevrez cette lettre. En tant que médecin, je vous recommande vivement de passer quelques examens approfondis. Signé Greg Ford Lang, Hôpital Général de Delvey. Merci monsieur, pour toutes ces précisions. Bon. Direction, le fusil à pompe. C'est par là. J'ai la maison bien en tête. Si vous savez pas, vous me demandez. J'ai la maison bien en tête. C'est une affaire qui roule. On a le fusil cassé, on va avoir le fusil réparé. On a deux flingues. Ah non, je dis que c'est... Attendez, c'était où? C'était... Bah. Ah, c'est là. Autant pour moi, autant pour moi. On prend ça. Vous n'avez plus de place dans l'inventaire. Mais... De Dieu. Oui, mais moi, je veux juste intervertir. Madame. Oh là 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 là. Elle est où la première salle de sauvegarde? Allez, on est obligé de ressortir. Je suis désolé. Il faut absolument avoir deux slots. C'est comme... Bah oui. On va déposer le lance-flamme. Il prend trop de place. Puis on en a pas besoin là. Voilà. J'espère que ça va suffire. J'ai envie de les psychostimulants là. Non, les suppléments. Attends, je lis bien. Des comprimés agissant sur le système nerveux. Inutilisables tel quel. Allez hop. On fait un peu de place. Et on va prendre ce fameux shotgun. Ils nous ont vendu du rêve et puis finalement, eh ben, il fallait faire de la place. On n'a pas pu le prendre du premier coup. J'en suis désolé.
J'en suis désolé. Moi, je voulais que ça soit fluide. Parce que je suis quelqu'un de très fluide. C'est fou, hein, cette histoire que je retrouve jamais la pièce. Ah, elle est là. Je crois que dans la pièce où tu as trouvé le fusil cassé, tu avais une sorte de petit item qui aurait pu être le supplément au médoc. On y retournera. Ok. Donc là, on a le shotgun. Qu'on peut bien évidemment recharger. On va prendre un bon plaisir à le recharger. Hein ? Hein, mon chien ? Et ici... Bah non, pardon, ici... On va mettre le cassé. Et voilà, comme dans le premier Resident Evil, hein, oui. Bon là, maintenant, ça rigole plus. On a le shotgun, autant vous dire que ça me fait bien plaisir. Il nous reste des clés. Là, on a une pièce. L'atelier, on n'a jamais pu l'ouvrir. Hein. Ça serait alors au rez-de-chaussée. Quelle pièce on n'a pas ouverte? Au premier, c'est du serpent, ça, tout ça. Hein. Là, je vois pas. Je crois que... moi, je peux... Bah, tiens, bah, je vais y retourner. Tu dis qu'il y avait un petit item que j'ai loupé. Ça m'intéresse. On y est, on est à côté. Autant le faire maintenant. Là, je me trouve un peu bloqué. Attendez, elle nous avait dit quoi, Zoé? Ouvrir la porte à l'étage, vin de Marguerite et prendre sa lanterne. Trouver les ingrédients du sérum. Trouver le bras dans la vieille maison. Au premier. Ok. Alors, je retourne déjà. Le mieux, hein, quand on sait pas où aller, hein, vous savez, c'est de regarder. Alors, toi, tu dis... Bon, ça, c'est la note. Là, c'est le dentier. Là, c'est... Non, c'est les munitions. Là, c'est pour fermer. Non, c'était juste des munitions. Ah non, c'est du fluide chimique. Ça nous permet à peut-être avec... oui, peut-être qu'on peut le combiner. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est possible. Par contre, ce qui m'intrigue... Là, on n'avait rien oublié. J'ai l'impression qu'on pouvait le crocheter, ce truc-là, et on l'avait pas fait. Oui, voilà. Très bien. Ah ben allez hop, des fusils, des cartouches pour le fusil à pompe, parfait. Ah là là, il y a le premier qui se pointe, je vais lui faire, il va être ravi. Puis là on ramasse les derniers items qu'on avait loupé. J'ai vu dans la VOD que j'ai loupé quelque chose dans les toilettes. Une pièce antique en plus, allez hop. Ah c'est une affaire qui roule là, vous avez vu ça? Yes, je voyais le fluide chimique. Donc du coup maintenant, regardez, on doit fabriquer le sérum, ouvrir la porte à l'étage. Et comment on l'ouvre cette petite porte à l'étage? C'est celle-ci? Oui, ça ne rentre pas dans la serrure parce qu'il nous faut ni une clé machin. Il nous faut une clé serpent. Et là c'est pareil, c'est une clé serpent à l'étage. Oui, c'est la même chose. Moi, je suis d'avis qu'il faut qu'on utilise encore notre petite clé serpent. Notre petite clé scorpion, notre petite clé corbac. Attendez, c'était où qu'il y avait une clé encore corbac? Attendez, ça me revient. Il y avait le truc d'ombre. Voilà. Ça me revient, là. On était passé par là, et là, il y avait une pièce avec une clé corbac. C'est ça, je crois. J'ai l'inventaire plein. Merde. Je crois qu'on peut se débarrasser des objets. Regardez-moi ça. Alors, c'est qui le patron? M'en suis souvenu ou m'en suis pas souvenu? Ah mais merde, c'est une... Oui bah c'est bon. J'ai eu peur. C'est un corbeau à deux têtes, hein. Ça fait très mythologie nordique. Hein. Ouh là 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 là! Ah oui, j'ai plus de place dans mon inventaire, effectivement. Oh là 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 là! Le lance-grenade. On n'a plus de place, on n'a plus rien. On peut prendre juste les cartouches de fusil et des grenades incendiaires. Ça va être utile tout ça. Hein. Mais malheureusement, on peut rien prendre.
Ah, faut faire des choix, hein. Genre le flingue, je pense que... Tiens, il y a des toilettes ici. Genre le flingue, celui, le premier, on n'aura pas besoin de le garder. Hein. Là, c'est pareil. Est-ce qu'il me l'indique? Ah oui, la carte nous indique quand même tout ce qu'on a loupé. Hein. Je sais pas où aller là. Ouvrir la porte à l'étage, d'accord. Sinon, on a trouvé les ingrédients du sérum et je me souviens, il nous a dit de la rejoindre dans le mobilhome. Trouver le bras dans la vieille maison, au premier. Yes, et entre le lance-grenade et le lance-flamme, il faut faire un choix. Et vu que tu as utilisé le lance-flamme uniquement pour des mouches, ouais, le lance-grenade, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Il y a un endroit qu'on nous ne sommes jamais allés. En fait, il y a trois pièces. Il nous reste trois pièces. Non, mais je pense qu'il faut qu'on aille casser la gueule à... Non, parce que ouvrir la porte à l'étage, c'était de la vieille maison. C'était dans la vieille maison. Non ? Attendez, je re-regarde ma map. Ça, c'est la carte de quoi? Position actuelle, légende, ok. Elle est où Là, il y a un étage? Eh oui, voilà. On n'a pas été dans cette putain de pièce, là. Ah, mais parce qu'il nous fallait quelque chose pour le balancier, vous vous souvenez? Il y avait un balancier, il fallait qu'on mette quelque chose. Il y avait un putain de petit balancier. Il fallait qu'on mette quelque chose. Et évidemment, j'ai pas trouvé quoi. Je vais retourner au mobilhome. Ouais, mais je pense que tout va se passer dans la vieille maison. En fait, je suis revenu pour sauvegarder. Puis après, pris par la folie, j'ai voulu prendre... Le fusil à pompe. Du coup, je vais faire une petite save. Une toute petite. Hein. Presque rien. On va mettre la pièce antique. On en a pas 8 hein, là. Enfin, on en a pas 9, on en a 8. Voilà. Ces trucs-là, fluide chimique, là, c'est bien gentil, mais ça me prend quand même de la place. Psychostimulant, allez. Je vire. On n'a plus besoin de la clé scorpion. Hein. Ni la clé corbac. C'est toujours quand je fais ça qu'on en aura besoin. Une petite save. Les psychos ne s'en servent qu'une seule fois. Non, non, trois fois là. Là, trois fois. Mais en même temps, vous voyez, le shootgun. Là, on a des bonnes armes déjà. Bon, il vaut 9. Je serais bien d'avis, moi, déjà de m'acheter, de pouvoir recharger plus vite. 5, 6, 7, 8. Allez, 5, 6, 7, 8. J'ai envie de m'acheter d'avoir plus de santé. J'ai pas besoin d'armes, là. Je m'achète les seringues, là. Il y en a un pour recharger plus vite et un pour avoir plus de santé. Allez, hop, je prends ça. Ça fait 8 piles. 1. J'aime bien le petit fonctionnement. Et voilà. Ça s'ouvre. C'est un stabilisateur. On le prend. On va l'utiliser. Voilà, stabilisateur. Relâche les muscles et réduit le stress pour recharger plus vite. Allez, moi je prends ça. Allez, c'est parti. Ça va, ça fait pas mal. Et on va faire pareil. Là, c'est que 3. Ouais, j'aime beaucoup. On n'a pas besoin du magnum pour l'instant, on a plein d'armes. Déjà qu'on n'a pas de place pour tout prendre. On était déjà en train de parler qu'il fallait virer le lance-flamme pour pouvoir prendre le shotgun. Alors le magnum, merci bien. Ok. Donc maintenant, votre vue maximum a augmenté. Non, non, là on est bien. Une petite save du pauvre.
Non, comme ça on avance. Hein. Donc là, l'idée, c'est de repartir. Je parle trop, hein. Pff, je sais bien. Ma femme, elle en a marre. Vous voyez, je suis passé directement par là. Mais c'est, en fait, fallait qu'on monte à l'étage. C'est ici. J'ai vraiment une mémoire de merde. J'ai honte. Bring it, son baby. Ah, il y a une petite photo ici. Encore une photo d'un trésor. Vous vous souvenez, la première fois, c'était dans une cheminée. Et là, c'était, là c'est les toilettes. Hein. On la regarde bien. C'est un shot avec un cendrier. Putain, je m'en souviens de ce truc-là, du cendrier. Hein. Mais je crois que j'ai déjà ramassé. Ah, avant de monter à l'étage, j'ai envie d'aller dans la maison, là, ici, pour voir. En fait, c'est ma faute. J'aurais pas... Bon, c'est verrouillé, comme ça, c'est réglé. C'est ma faute, j'aurais pas dû aller rechercher le fusil à pompe. Mais en même temps, on est bien content de l'avoir, là, maintenant. On a 40... on a 31 balles. Je veux dire que la vieille, là, on va bien la recevoir. Nous, on sait recevoir. Toilette avec des mégots comme chez Léa. Ok. Bonne ambiance ici, hein. Bonne ambiance. On va se prendre un petit peu d'herbe. Un petit peu de pavot. Ça c'est quoi? Agent de séparation. Ah oh, putain, mais il nous emmerde. Cet inventaire. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est bloqué. Mais on peut pas. On peut pas l'ouvrir. Alors, c'est quoi un agent de séparation? C'est un agent de séparation peut-être combiné avec certains objets pour enlever le fluide chimique et créer un objet utilisable. Ah oui, c'est quand on regrette. C'est quand on regrette. Bon, alors on est bien. Allez. Bon, allez, on va descendre dans le trou. Hein, mais j'imagine que ça va être le fight, là. Hein. Vous êtes prêts? Il va y avoir du plomb dans sa tête de veau à Marguerite. Hop là. Bonsoir. Marguerite. Un petit mot. J'ai un petit mot pour vous. Marguerite. Marguerite. N'ayez pas peur, Marguerite. Ah, mon jeu rame un peu hein, quand même de temps en temps. Comme là, là. J'en suis désolé. Mais ça va, ça va, ça va. Essaye de me convaincre. Ouais, c'est... C'est toc toc toc, c'est la Gestapoc. Ding dang dong, c'est la Gestapong. Ça a toujours fait rire ce truc. Bon, malheureusement, ça a toujours fait rire que moi. Toc toc toc. Gestapoc. Ah oh. Elle va être à l'étage, hein. Et oh là 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 là. On avait dit plus jamais ça. Mais j'en ai encore sur les bras, bordel. Putain. Allez, on monte, on monte. Yes, je ne l'avais pas ma petite là, maintenant je l'ai, Jerry. Ah, j'avais été sorti cette réplique une fois, tellement énorme cette scène. Eh oh! Hop 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 hop! Allez là! Oh! Bon, on a du flingue, on a plein de choses. Quoi, tu me tiens de tu me tiens de rien du tout? Elle est où? Ah, ça remouille avec le fusil à pompe. Hein. Oh putain, je suis tombé. Tu me fais pas peur du tout. C'est déverrouillé. Oh là là, oh. Putain, elle est où? Ah, c'est sympa là.
Ah, il y a forcément du connard. Allez, faut vraiment qu'ils nous emmerdent là maintenant, eux. En plus, ça fait bouger la caméra dans tous les sens, j'ai l'impression d'être un gogol. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu sais que je vais finir par te trouver. Allez, viens là, toi. Ah, elle aime pas, hein. C'est une affaire qui roule. Hein. On peut se soigner là? Non, ça va encore. Ouais, elle est encore là? Je sais pas comment je remonte. Monsieur impu. Monsieur impu, madame. Ah putain, mais il y a encore ces moustiques. Moi j'aurais juste dû... On aurait dû garder le lance-flamme. Hein. Le combustible c'était pour toutes ces saloperies. Hein. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh putain! Là par contre on va se soigner. Hein. Oh putain, elle me tombe dessus. Enfant des villes. Non, je suis un enfant des champs. Allez, monte, monte. Faut qu'on se soigne. Voilà, très mauvaise idée. Oh merde! On s'est fait tuer par juste des petits moustiques de merde. Je m'en veux, je m'en veux. On aurait dû le mettre en américain. Je peux pas m'enfuir, enfant des villes. Ah, par contre, quand on met la mouche, maintenant, ça casse le... Ça casse le chat. Bon, on la tue, hein. On la tue, puis on fait la partie 4 demain. Ah, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire Ah, j'ai de l'herbe pourtant. Je l'avais pas vu tout à l'heure. C'est chiant, hein, que je... En plein combat, c'est pas simple, hein, de se rendre compte. On était bien parti en plus. C'est dommage. On avait bien fait. Allez, courage, Mimisiku, merci. Merci. Faut que je te dis merci, c'est dégueulasse de m'appeler comme ça. Dis donc. Non, là, j'y vais pas, j'ai pas envie de me faire avoir comme tout à l'heure. Oh putain, là, je me suis encore fait avoir. Allez, prends ça toi dans la tronche. Bon, cette fois, on joue bien. On s'approche pas de ces saloperies. On tombe pas. On peut monter encore un peu plus? Non. Bon, t'es où? Marguerite? Elle est horrible, hein. C'est cool, on a encore des cartouches. Putain, je l'entends, mais je l'entends pas. Non, je ne répéterai pas ce que je viens de dire. Mais putain! Elle est coquine! Elle apparaît à des moments. Putain. Je joue mal.
Mais merde, elle me chope deux fois de suite. Coquine. Qu'est-ce que je fasse là? Allez, on se casse. Un petit peu tendu, hein. Tu sais que je vais finir par te trouver. T'as raison, faut le tirer dans la chatte, hein. Je suis désolé, mais. Allez! En fait, faut faire attention au trou. T'es bien ici si tu l'avais chopé en mode lance-grenade. La grille bloque l'accès. Allez! C'est bon, c'est une affaire qui roule. Allez, 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 recharge, recharge. Ah, elle passe dans les trous. C'est une petite coquine. Hein. Après, il va nous rester que le flingue. Hein. Je me remets de la vie. Où c'est qu'elle va, elle va réapparaître maintenant? Putain, il y a encore ces saloperies. Bon, maintenant je suis au courant qu'ils arrivent. Hein. C'est bon. Je gère un peu mieux. C'est verrou de l'autre côté, ok. Ne joue pas ça, Ethan. Montre-toi. Je regarde en hauteur hein, parce que elle. Elle arrive par le haut. Ne pars pas, mon cher. Allez, on se barre. Ah, c'est un petit combat là. Puis il se lâche tronche, sinon. Non, non, faut le tirer dans le. Elle a un espèce de cocon. Dans la... bah, au niveau des. Hein, de ça. Elle est là. Au niveau de sa culotte. Voilà. Au niveau de la, au niveau culottale, elle est équipée d'un espèce d'un appareil. Putain. Et bien sûr, lui se pointe à ce moment-là. Putain. Ah, mais le jeu est très bon. J'aimerais bien me soigner là, quand même. On va prendre l'autre arme. Il faudrait qu'on se soigne quand même. Ça serait pas déconnant, j'ai rien pour me soigner. Hein. On va pas se faire crever par un moustique. Alors les mecs en speedrun ils doivent se marrer hein, parce qu'il l'a tué en 2 secondes. Merde, elle s'est barrée là. Je pense qu'on est pas trop mal. Pardon pour le micro. Ah, elle peut arriver par là, hein. Faut que je fasse gaffe. Pourquoi je peux pas ouvrir ici? Je l'entends dégueuler. Putain, il y a encore un putain de moustique. Oh, le combat d'handicapé là. Putain, les gens, il va me tuer. Ah.
Allez, cours. Je l'ai eu là. Oh putain. Ouh là 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 là. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Reste mort cette fois, ok? On a sa lanterne. Ah, mais c'est avec la lanterne qu'on va aller pouvoir mettre sur le balancier et ouvrir la porte. Youhou. Allez, c'est très bien. C'est très très bien. Reste mort cette fois, ok? Eh oui, c'est les petites... Alors faut pas... Vous avez vu tout ce qu'on a loupé aussi? Ah bah c'est bon, maintenant on peut les prendre. Bon, je vais aller faire une petite sauvegarde. Là, il y a plein de munitions qu'on a loupées un peu partout. Hein. Normalement, on aurait dû la battre au lance-flammes. Hein. C'est une évidence, puis je m'en souviens maintenant. Alors, regardez-moi ça, ça se disloque. Les répliques sont très bonnes. C'est du haut niveau, c'est Resident Evil. Là. Vous faites les surpris, là. C'est Resident Evil. Normal que ce soit de la qualité. Ok, on arrive de par là. Putain, il y a une petite herbe là qui m'aurait bien plu. On peut rien combiner ni rien, putain. Psychostimulant. Ah bah si, ça m'a permis de prendre l'herbe. C'est pas mal. Et on va la prendre l'herbe. Et bah voilà. On arrive petit à petit à bidouiller pour ramasser des trucs. Bon, on se casse. Ah, mais moi j'aime. Hein. Imaginez, moi je me souviens que ce combat là avec la vieille en VR, je vous jure que j'avais le dos en sueur. Parce qu'elle fait. Enfin, en VR, faut y jouer, c'est terrible. C'est terrible. Allez, petite save. Là je vois que ça ramouille. Il est temps de faire une petite pause, je crois. Ah, il y a quelque chose là. Et voilà, heureusement qu'on a utilisé le petit stimulant. Allez, une petite save qui va se dérouler ici. C'est parfait. C'est parfait. Ah, je suis content de cette VOD, ça s'est terminé bien, je vais pouvoir faire une belle capture. Et voilà. Je ne piche pas que les salles d'arcade soient fermées. J'ai pas compris, tu parlais de quoi? Je ne piche pas que les salles d'arcade soient fermées. De grands espaces pour pouvoir jouer en VR, ça pourrait tellement marcher. Ah oui, ouais. Mais il y en a une à Paris. Mais qu'est-ce que tu veux? Les gens ils jouent chez eux maintenant, hein? On est en solo. Bah il est sinoche. Eh ouais. Je suis premier à m'en plaindre. Bon écoutez, je suis ravi que vous soyez venus. Hein? Comme ça qu'on dit. Comme ça qu'on cause. Et puis bon bah voilà, j'espère que je vous plais. Moi en tout cas je prends beaucoup de plaisir à le refaire en version plate quoi. Le jeu est très sympathique et ça se joue pas du tout de la même façon qu'en VR. Bah je vous dis certainement à demain. En tout cas moi demain je serai là pour streamer la suite, la partie 4. En tout cas, je remercie Léa d'être passée, enfin d'être restée, Nick Taras, et puis ceux qui nous regardent, hein, ceux qui sont intimidés, on les connaît, hein, ont un petit peu peur. Et puis Bad Boy Gameron qui est passé aussi, voilà. Allez, je vous embrasse fort, et puis je vous dis à très bientôt. Je vous laisse sur mon excellent générique de fin, vous le savez. Allez, tchuss.